bien ou quoi la famille? Ça dit quoi la mif, c'est Lio. Ça fait plaisir de vous voir, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je sais pas si vous vous en rappelez, mais il y a quelques temps j'avais sorti cette vidéo. C'était mon tout premier freestyle. J'avais l'âge de 13 ans, j'avais sorti mon premier freestyle et on y réagissait tous ensemble il y a quelques temps. Je vous avais demandé qu'à 30 likes on ferait la partie 2. Et en gros, je vous avais menti. Je vous avais pas menti, mais je vous avais un peu menti. Non, je vous avais pas menti, je suis en ouf, qu'est-ce que je raconte? Mais qu'est-ce que je raconte? En fait, ce jour-là, j'avais tourné la vidéo que vous allez voir aujourd'hui. J'avais tourné les deux d'affilée. Et je pensais en faire une seule grande. Et après, je me suis dit, c'est mieux si on rajoute un petit truc en plus. En mode, oh, si on a 30 likes, on regarde le clip, etc. J'aime les likes. Likez les vidéos, mettez des commentaires, l'équipe. Ça m'aide pour le référencement. Peut-être qu'il y a d'autres gens qui vont découvrir la chaîne, peut-être qu'ils vont kiffer. Peut-être pas. Mais au moins, il y a des gens qui découvriront. Bref, du coup, aujourd'hui, c'est la partie 2. Mais si j'ai le même t-shirt, la même coupe de cheveux, la même façon de parler, etc. Et si je dis « Ah, tout à l'heure », eh ben c'est normal. C'est parce qu'en fait, j'ai tourné ça le même jour. Mais la vidéo sort pas le même jour. Est-ce que vous avez compris? C'est Inception, ma chaîne YouTube. Genre, c'est... Bref, si vous aimez, likez. Allez, c'est ciao. On passe à la suite, c'est bon? Allez, les refs, à tout de suite, let's go. Ça, c'était il y a 7 ans, du coup. Et là, regardez, ça, c'était il y a 5 ans. Il y a 5 ans, du coup, 2 ans plus tard. J'avais changé de chaîne. Wesh, 66 abonnés, 35 likes, 628 vues. Putain, c'est pas mal, hein. Je m'appelais Sharingan. Et ça, c'était la boule de freestyle 1, je m'en rappelle. Je voulais faire 7 boules de freestyle. En mode boule de freestyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et après, je lâchais un album, ça allait s'appeler Shenron. Dans Dragon Ball, quand t'as les boules de cristal, et quand t'as les 7 réunis, il y a le dragon qui sort qui s'appelle Shenron, et je voulais sortir un album qui s'appelait Shenron. Je crois que j'avais écrit en tout 3 ou 4 boules de freestyle, j'en ai sorti qu'une parce que au collège en fait c'est pas méchant, mais tu te fais vite vanner. Je me faisais enchaîner de vannes, hein. À droite à gauche tout le temps ça disait oh Sharingan, fais-nous le boule de freestyle et tout dans la cour de récré, c'était horrible. Du coup ben tu sais ça démotive, c'est dommage. Enfin après c'est pas dommage parce que je devais être claqué aussi, mais mais après il y avait plein de gens qui m'avaient soutenu quand même. Regardez quand même, 66 abonnés, 628 vues, 35 likes. Oh là là, la dinguerie. Ben du coup on va passer à ce clip. Et ce clip, il est en HD, mais non, 1080p. Et je me rappelle que c'est ma sœur qui m'a fait ce clip. Moi j'ai fait la musique et tout, et ma sœur a fait le clip. J'ai très peur, honnêtement j'ai très peur. On va voir. Oh le plan mollet, le gros mollet. Sharingan, boule de freestyle 1. Ah celui-là j'ai pas envie de vous le montrer. Oh, wesh. Mon but dans la vie, c'est de surpasser Eminem. Un jour dans Toulouse, maman je crierai que je t'aime. Ouais, je crierai toute ma vie et tout mon espoir. Pour l'instant je suis jeune, mais j'attends la gloire. Oh ma... Eh, en vrai de vrai, non, c'est pas un truc de fou, mais ça va. Genre la qualité et tout, c'est beaucoup mieux. Je sais pas sur quoi j'avais enregistré ça. Sur un vieux PC peut-être, je sais pas. Mais la qualité, y a pas du vent et tout qui frotte. Bon, le clip il est pas fou, parce que je sais pas clipper, mais les images sont belles. La qualité et tout, ça va. Après bon, je pense que j'étais claqué au sol en rap, mais j'aime bien, c'est l'essentiel. On m'a dit que demain c'est loin, mais pour moi c'est proche. J'ai déjà 14 ans, j'espère pas rater le coche. Mais vous voyez sur le rap d'avant, je disais j'ai 13 ans, et là je dis j'ai 14 ans. Donc ouais, c'était que un an après en fait. Oh, putain, j'ai enchaîné deux sons en deux ans. Cette fois-ci, je vais pas tout foutre en l'air. Je pense que ce rap est assez clair. Voilà, le maillot Messi. Vous voyez ce maillot Messi? C'est mon pote, il me l'a ramené du Maroc, c'est un faux. Je suis KO, le maillot Messi. Après ça, il y a un petit plan sur moi torse nu. Je suis un génie. Mama, le boug, il a 14 ans, il est prêt. Putain, j'avais des biceps, hein. Ça a pas changé, hein. 14 ans, j'étais bien. Ah, franchement, je me kiffe. T'es beau gosse, toi. Ah oui, et aussi, je m'appelais Sharingan, en fait, en référence à Naruto, etc. Et du coup, j'avais mon signe. Et mon signe, c'est un signe du katon, comme ça. Et du coup, je faisais des signes et tout, en mode en référence à Naruto. Maîtrise de katon. Ah ben. Flow est lourd. Il pèse 4 tonnes. C'est celle à une étoile. Ouais, c'est la première boule de freestyle. J'ai plus besoin de Dragon Ball, enfin des boules de cristal. Si tu réponds, tu risques le pire. Écoute mon début d'empire. Dans la street, ça boit, ça fume et ça tire. Quoi? Quoi? Je disais ça. Dans la street, ça boit, ça fume et ça tire. Je bois pas, j'ai jamais fumé, j'ai jamais tiré, sauf à la fête foraine, tiré à la carabine. Mais j'étais un malade, j'étais un fou malade. Vas-y, continue. Je fais quoi là? On dirait un antagoniste de One Piece. J'ai juré, on dirait un méchant de One Piece. C'est quoi ce short? Il me remonte jusqu'en haut, les gros mollets. Ouais. Et ouais, ça s'empire. Je préfère écrire la nuit car j'ai plus d'inspi que le jour. Je vais finir par mon... Regardez, ça se voit, ma soeur, elle m'a dit ouais, va là-bas, t'inquiète, ça va faire un bête de clip. Ouais, ça. Et regardez comment je suis tout fier. Écrire la nuit, car là, regardez quand je me retourne, je suis tout content. Et là, je me dis, attends, vas-y, fais un signe, fais un signe. Jour,
Je vais finir par m'ennuyer, à fort chercher l'amour. Je suis sur le chemin du succès, je marche pas, je cours. Écoute ça, je balance des rafales, tu vas en devenir sourd. Les meilleurs plans, c'est quand on me voit pas, comme ça là, je suis dans le noir un peu, tête baissée, ça c'est les meilleurs plans. Après en vrai les paroles, c'est pas ouf, mais c'est pas si dégueu, mais... Je kiffe écrire et je kiffe le rap, c'est comme un attentat, donc fais gaffe à toi si je frappe. Je pour Marseille, je serai jamais pour Paname. Mon succès sera aussi long que le nez de Zlatan. Dans la vie. Je serai jamais pour Paname. Mon succès sera aussi long que le nez de Zlatan. Dans la vie, y a pas de hasard. Y a les joueurs et y a celui qui a le brassard. Ouais, y a ceux qui visent et ceux qui tirent au hasard. Gardien, attention, y a la frappe à Eden Hazard. Si. Non mais en fait, normal, il se foutait de ma gueule au collège. Je viens de capter. À aucun moment, je me suis dit, c'est pas ouf. Tiens, y a un truc qui cloche quand même dans ce clip. Ça fume mais ça tire. Vas-y, continue. Et ouais, ça s'empire. Par contre, ouais, pour ceux que ça fait pas, j'avais v'là les maillots. Je les ai encore en fait, tous. Avec écrit Liam 13 derrière, numéro 13, numéro 13. Si tu réponds, tu risques le pire. Écoute mon. Comme ça là, de dos. Non mais je me prends trop pour un antagoniste, c'est un truc de fou. Je suis un méchant de One Piece. Je suis un méchant de One Piece. Début d'Empire. Mais un méchant pas ouf. Ça boit, ça fume mais ça... Ce plan là il est stylé. Non par contre, là faut le dire, ce plan là il est stylé. Oh il est incroyable le plan. Il est incroyable. Tire, vas-y, continue. Et ouais, ça s'empire. Je viens tout défoncer comme la 4ème grande guerre des ninjas. On m'appelle Sharingan parce que je viens du clan Uchiwa. J'ai perdu ma plume et j'ai trouvé la lune. J'écris sur les dunes, même si j'ai pas de thunes. Ma plume, la lune, les dunes et tout ce que tu voudrais voir. Là. C'est pas dans les temps. C'est archi pas dans les temps, sa mère. Ah, je te raconte ma vie, ouais. Toute mon histoire. J'ai ramené le rap à l'ancienne. Le tien est décédé. Dans quelques années, je sortirai décédé. Je n'en parle pas, mais toutes les nuits, je fais des cauchemars. Quand j'irai sur le tapis rouge, je me mettrai en costard. Mais si j'y vais, ce sera juste pour mon Oscar. Je suis tellement technique que tu m'insultes, connard. Je suis aussi chaud que Diego Costa. Si je rentre dans le rap, c'est juste pour faire des constats. Je suis en train de rapper, mais on veut me faire signer un contrat. J'ai pas d'argent, mais je me contente de ce qu'on a. Personne voulait me faire signer de contrat. Je comprenais pas à l'époque, maintenant je comprends. Mon flow et mon rap, et mon rap, et mon flow. Moi, je suis venu pour rapper les flows. Je mets du chakra dans le mic, je viens d'inventer un jutsu mec. Je te balance un kamehameha, je t'envoie sur Namek. Si tu réponds, tu risques le pire. Écoute mon. Début d'Empire dans la street, ça boit, ça fume et ça tire. Vas-y, continue. Et ouais, ça s'empire. Mon rap est magique, je dirais même génial. Je vous présente la première boule de freestyle. J'en place une pour ceux qui m'écoutent au cas où j'ai des fans. Les gars, je suis Sharingan. Non. Non, vraiment, vraiment, c'est honteux, mec. Sharingan, boule de freestyle 1. Oh, c'est honteux, frère. Waouh. Du coup, la famille, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et là, vous vous dites, wesh, mais l'ancien Lio est de retour. C'est moi, wesh. Écoutez la mif, il me reste un dernier son que j'avais sorti à vous faire écouter. Si vous voulez qu'on l'écoute, l'équipe, je veux 35 likes sur cette vidéo. Et on y réactera ensemble sur Twitch, en direct. Et ce sera trop cool. C'était une musique que j'avais fait en studio. Je vous en dis pas plus. À la prochaine. Ciao!